Joseph Kessel, première. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un aviateur, d'un romancier, d'un journaliste, d'un grand reporter, d'un correspondant de guerre, d'un résistant et d'un membre de l'Académie française. Tu auras le temps de parler de tout ce monde en une seule vidéo ? Ah mais il ne s'agit que d'une seule personne, hein, Joseph Kessel. Les amis, avec vos pouces en l'air et tous vos commentaires, vous permettez à cette vidéo d'être mise en avant. Donc allez-y, flattez-moi cet algorithme YouTube. Ce qui nous permettra peut-être d'arriver aux 100 000 abonnés après bientôt 10 ans sur cette plateforme. Je compte sur vous, sur vos partages et vos pouces en l'air ou vos commentaires, c'est très important. Hey, ce sera un super cadeau ça. 100 000 pour les 10 ans. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, avec les éditions Stankis, on voulait vous présenter leur dernière BD qui raconte le destin incroyable de Joseph Kessel, un des témoins privilégiés du XXe siècle, qui a pu assister à l'ensemble des événements majeurs, comme les deux guerres mondiales, et qui a pu rencontrer les personnalités clés du moment. D'ailleurs, on va mettre un compteur de personnalités tout au long de la vidéo, parce que c'est assez impressionnant hein, quand même, vous allez voir. Mais il n'y a pas que ça. Non, non. Le mec est carrément l'auteur avec son neveu du chant des partisans, qu'on appelle aussi le chant de la libération. En gros, c'est l'hymne de la résistance française durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Ah bah bravo, on va encore être démonétisé. T'as dit le mot nazi. Bah toi aussi du coup. Et merde. Allez les amis, vous êtes prêts? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour peut-être gagner un exemplaire de cette BD. Armez-vous de votre Remington, c'est une machine à écrire typique du XXe siècle. N'oubliez pas le papier stencil, c'est du papier spécial pour les machines à écrire, qu'on appelle aussi du papier carbone. T'en as pas marre d'expliquer des trucs? Non. Ici c'est Baptiste, et il est temps de parler histoire. Avec 80 romans, une dizaine d'adaptations de ses plus grands succès et des centaines d'articles et de reportages, Joseph Kessel nous a laissé une œuvre considérable que l'on ne peut que survoler dans cette vidéo. Mais elle permet de mieux cerner qui était Joseph Kessel à l'image de la BD qui nous introduit un Joseph Kessel racontant sa vie au travers de ses souvenirs et des rencontres qu'il a faites au cours de sa vie. Des rencontres qui nous serviront de fil rouge avec ce fameux conteur de personnalités rencontrées. Bon, commençons par évoquer ses origines et son enfance. Les parents de Joseph appartiennent à deux familles juives de l'Empire russe. Son père, Samuel Kessel, est issu d'une famille très pauvre de l'actuelle Lituanie et sa mère, Raïssa Lesk, d'une riche famille d'Orenbourg, ville située sur le fleuve Oural, au sud de la Russie actuelle. Les deux ont envie de se lancer dans des études de médecine, mais il y a un petit problème. Ils sont juifs dans la Russie du tsar Alexandre III. Alors si vous ne voyez pas le lien entre Alexandre III et le judaïsme, en gros, Alexandre III a rendu les juifs responsables de l'assassinat de son papa, le tsar Alexandre II, en 1881. Alors que c'est faux, hein. On sait aujourd'hui que c'est une organisation terroriste du nom de Narodnaya Volia qui a perpétré l'attentat. Mais bon, les juifs sont accusés et le programme du gouvernement russe est alors celui-ci, je cite, « Un tiers des juifs sera converti, un tiers émigrera et un tiers périra ». Par un hasard absolument incroyable, Samuel et Raïssa s'exilent au même endroit, en France, et se rencontrent à Montpellier durant leurs études de médecine. Si Samuel est un étudiant brillant, il a aussi une santé fragile, obligeant Raïssa à abandonner ses études pour le soutenir. Les Kessel se sont très tôt intéressés à l'idée de la création d'un État juif qui émerge à la fin du 19e siècle, et le saviez-vous, bah, créer un État juif, c'était pas forcément en Israël. Et ouais, ça aurait pu être en Argentine en fait. Donc perso, moi je l'ai appris avec ma propre vidéo, donc merci Justin pour les recherches, c'est beau quand même hein. Et vous le saviez? Je suis curieux de savoir, dites-le moi en commentaire. À la fin de ses études, après avoir épousé Raïssa, Samuel Kessel est engagé comme médecin en Argentine par la Jewish Colonization Association, une organisation fondée par le baron Hirsch en 1891 pour l'émigration des Juifs d'Europe de l'Est persécutés afin de fonder des colonies agricoles dans des terres acquises en Argentine. C'est cette organisation qui a financé les études de Samuel en échange de son engagement pour le projet de colonisation. À cette période, environ 20 000 juifs viennent en Argentine, dont 1 500 dans les colonies fondées par la Jewish Colonization Association.
Et donc, tenant parole, les Kessel traversent l'Atlantique et s'installent dans la colonie Villa Clara, fondée en 1892 et s'étendant sur 80 625 hectares dans la province d'Entre Ríos en Argentine, à quelques kilomètres de l'Uruguay. Et c'est ici que naît le personnage de notre vidéo, Joseph Kessel, le 15 février 1898. Mais vous vous rappelez, on a dit que la santé de Samuel était fragile et s'adapter à un climat subtropical humide, alors que tu es habitué à du climat tempéré, bah c'est pas facile. Effectivement, et pour Raissa aussi c'est pas facile, hein. Elle a du mal à supporter la solitude et la précarité de leur situation. Aussi, très logiquement, les Kessel décident de repartir vers l'Europe et la Russie peu après la naissance de Joseph. Lors de la traversée vers l'Europe, Joseph Kessel, encore tout bébé, tombe gravement malade et survit de peu. Oh bah, ça aurait fait une vidéo très courte, hein. Ouais, et vous allez voir que la vie de Joseph est tellement passionnante qu'on est content qu'il ait survécu. Alors, de retour en Russie, les Kessel s'installent dans plusieurs villes avant de finalement rejoindre la famille de Raissa à Orenbourg en 1905, où naît un deuxième enfant, Lazare, dont Joseph sera très proche. Mais le climat hivernal rude de l'Oural et la crainte permanente des pogroms poussent la famille à émigrer une nouvelle fois en 1908. Oui, les pogroms, c'est un peu à cause de ça qu'ils étaient partis en France à la base. En fait, un pogrom, c'est une action contre des populations juives qui sont souvent suivies de pillages et de massacres. Et à l'époque, il y en a beaucoup en Europe, ce qui a poussé les populations juives à partir notamment en Israël. Direction la France, et surtout Nice, où Joseph Kessel effectue ses études secondaires. Il a une révélation à la lecture des Trois Mousquetaires. Il veut vivre comme un aventurier à l'image de D'Artagnan et écrire comme Alexandre Dumas, rien que ça. Ce désir le suivra toute sa vie et inspirera son œuvre littéraire et journalistique. Brillant élève, il obtient un prix d'excellence et est admis au lycée Louis-le-Grand à Paris. La famille suit et s'installe en 1913 à Bourg-la-Reine. En 1915, Joseph Kessel obtient sa licence de lettres et est engagé par le Journal des débats. Un journal qui a été publié de 1789 à 1944, pas mal. C'est dans ce journal qu'il écrit ses premiers articles dans le service politique étranger, écrivant ou traduisant aussi bien des articles concernant le front russe que des nouvelles. Le front russe ? Et oui, en 1915, on est en pleine Première Guerre mondiale, et l'Allemagne a dû diviser son armée entre le front de l'Ouest, notamment en France, et le front de l'Est, principalement en Russie. En parallèle, avec son frère Lazare, Joseph entre au conservatoire de théâtre et joue quelques pièces. Il y découvre aussi la vie nocturne parisienne et l'alcool. Mais quitte à écrire des articles sur la Première Guerre mondiale, autant y prendre part. Joseph s'engage comme volontaire en 1917, il est affecté dans l'aviation où il passe son brevet de pilote, puis dans l'escadrille S-39 dédiée à l'observation et se lie d'amitié avec son capitaine, Thélyse Vachon, dont il admire le charisme. Malheureusement, le capitaine est abattu le 14 octobre 1918 et succombe à ses blessures. Joseph lui rendra hommage au travers du personnage du capitaine Gabriel Thélyse dans ce qui sera son premier succès littéraire, le roman L'Équipage, publié en 1923. Ce roman, basé sur son expérience de la guerre, raconte la relation entre un jeune aviateur, l'aspirant Jean Herbilon, et son équipier, le lieutenant Claude Marie, bon pilote, mais rejeté par une partie de l'escadrille. Les deux hommes se lient d'amitié, mais au cours d'une permission, Herbilon découvre qu'il est l'amant de la femme de Marie. Il décide de se taire, mais est accablé par le remords et éveille la jalousie de Marie. Primé par l'Académie française en 1924, le roman est de nombreuses fois adapté au cinéma dans les années 1920 et 1930, dont un remake américain en 1937, The Woman I Love, réalisé par Anatole Litvak. Et nous arrivons à la fin de la guerre, le 11 novembre 1918. Le jour de l'armistice, donc, Joseph Kessel embarque pour une mission dans la ville d'Omsk, dans laquelle on lui demande de convoyer des armes et des munitions aux Russes blancs. Eh oui, la guerre s'arrête, mais la Russie est en pleine guerre civile entre les blancs, qui refusent la prise du pouvoir par les bolcheviks, et qui souhaitent le retour du tsar, contre l'armée rouge, l'armée mise en place par le nouveau pouvoir bolchevique depuis la révolution d'octobre 1917. Lors de ce voyage, Joseph rencontre le général Semenov et est le témoin privilégié de la terrible guerre civile russe. Et quand tu dis terrible, c'est peu dire. Alors que la Première Guerre mondiale a causé la mort d'environ 3 300 000 Russes, civils et militaires confondus, les morts dues à la guerre civile russe sont malheureusement bien supérieures. Entre 8 et 20 millions, ces chiffres sont très contestés. De cette terrible expérience, Joseph en écrit un roman en 1922, La Steppe Rouge. À son retour en France, Joseph Kessel vit un drame familial. Son frère Lazare, dont il est très proche, se suicide le 27 août 1920.
Et pour fuir sa tristesse, Joseph Cassel s'embarque pour l'Irlande comme reporter pour le journal La Liberté. Et l'Irlande, vous allez me dire, ça va, c'est calme, c'est pas la Russie en pleine guerre civile, hein. Il part en fait dans une région en plein trouble depuis l'échec de la révolte de Pâques en 1916. Une révolte des indépendantistes irlandais qui a échoué. Indépendantistes du coup qui ont été victimes d'une répression implacable de l'armée britannique qui arrête plus de 5000 personnes. Sur place, il rencontre Desmond Fitzgerald, un des leaders indépendantistes. En suivant Desmond, Joseph Cassel va suivre le quotidien des indépendantistes, réalisant des embuscades et des actes de sabotage. Il va les suivre là-dedans, hein. Mais aussi, il va assister à la répression des forces britanniques, dont il rend compte dans son premier papier, le sac de Balbriggan, un article publié le 28 septembre 1920 par son journal. Dans cet article, il raconte le triste sort de la ville de Balbriggan. En fait, en représailles à une embuscade des indépendantistes dans la nuit du 20 au 21 septembre 1920, le groupe des Black and Tans, des militaires engagés par le gouvernement britannique pour les aider à lutter contre les indépendantistes, brûle carrément la ville de Balbriggan. La ville existe toujours aujourd'hui et compte 6500 habitants. Cette histoire est le premier scoop de Cassel comme reporter, et comme à son habitude maintenant, son expérience nourrit son œuvre littéraire, donnant, dans le cas de la guerre d'indépendance irlandaise et la guerre qui suivit, la nouvelle Marie de Coq, publiée dans la Revue des Deux Mondes en 1924. De retour en France en 1921, il épouse Nadia Alexandra Politsu Michunetsti. Ah bah ça fait du bien un peu de bonnes nouvelles dans cette vidéo. Mais, oh non. Nadia a une santé fragile, comme beaucoup de gens dans cette famille, et est atteinte de tuberculose, maladie qui finit par l'emporter en 1928. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? L'accompagnant dans ses soins, Joseph s'inspire de son vécu pour écrire le roman Les Captifs, publié en 1926, qu'il dédie à sa femme, racontant la vie de tuberculeux dans un sanatorium en Suisse. Une nouvelle fois, il est primé par l'Académie française. Ensuite, il s'intéresse aux Russes blancs qui ont perdu la guerre civile avec la création de l'URSS en 1922. Ces Russes sont désormais en exil, désœuvrés, et notamment à Paris. Cela donne un nouveau roman, Nuit de Prince, en 1927. Mais c'est un autre roman publié l'année suivante qui va véritablement le faire connaître du grand public par son succès et le scandale qu'il provoqua, Belle de jour, publié en 1928. Le roman raconte l'histoire d'une jeune femme, Séverine, qui recherche le plaisir charnel dans l'expérience de la prostitution. Belle de jour paraît d'abord en feuilleton dans Gringoire, un journal que Joseph Cassel cofonde en 1928. Belle de jour choque une partie des lecteurs, poussant Cassel à justifier son œuvre dans une préface lors de son édition par Gallimard. Le roman sera adapté en film en 1967 par Louise Buñuel, avec Catherine Deneuve dans le rôle principal. Film qui connut un grand succès. Gringoire est à sa création un journal orienté à droite et anticommuniste, où Cassel publie une partie de ses reportages. Mais le journal change vite de bord au cours des années 1930, quand il commence à glorifier les régimes fascistes européens qui sont en train de monter, notamment en Italie ou en Allemagne, et surtout les idées qui les accompagnent, comme le nationalisme ou l'antisémitisme. D'ailleurs, ce journal a tellement mal tourné qu'il sera l'un des titres les plus importants de la presse collaborationniste pendant l'occupation, avant de disparaître à la Libération. Tu m'étonnes. En 1929, travaillant pour Gringoire, Joseph embarque à bord d'un avion de l'Aéropostale entre Casablanca et Cap-Juby au Maroc, où il va rester quelques temps. Là-bas, il y côtoie Antoine de Saint-Exupéry, le chef d'escale de Cap-Juby, qui publie la même année son premier succès, Courrier Sud. Il rencontre aussi Jean Mermoz, célèbre aviateur, auteur de nombreux records, et qui en ce temps-là avait pour mission d'étendre l'Aéropostale vers l'Amérique du Sud. Revenant en France, Joseph explore et documente aussi la mafia parisienne en 1932, il aime bien se mettre en danger ce gars-là, et en sort le nouveau roman Nuit de Montmartre. Puis, puisque apparemment Joseph aime bien les sensations fortes, il va rencontrer la mafia de Berlin. Attends, il va à Berlin ? On est dans les années 1930 alors ? Et oui, Joseph découvre le nazisme et Hitler, et de toute façon cette vidéo est déjà démonétisée, lors d'un meeting à Dortmund. Une révélation qui le pousse à quitter son journal, hein. Vous savez, la Gringoire, quand il bascule vers l'extrême droite, car il a bien compris, à ce moment-là, ce qu'est l'extrême droite. Et oui, le nazisme, c'est de l'extrême droite. On précise, hein, car il y a des gens qui sont convaincus que le nazisme, c'est du socialisme. Vous savez, c'est pas parce que c'est dans le nom que c'est vrai, hein. Par exemple, le nom officiel de la Corée du Nord, c'est...
République populaire démocratique de Corée. Démocratique, hein? Oui, bon. En tout cas, son départ de Gringoire l'amène à participer à l'émergence d'un autre journal célèbre, Paris Soir. Fondé en 1923, le titre se développe à partir de 1930 avec l'arrivée à la tête de sa rédaction de Pierre Lazareff. Ce dernier confie à Joseph Kessel la tâche de réaliser des grands reportages pour son journal. Un genre journalistique qui connaît alors son âge d'or avec des figures telles que Albert Londres ou Ernest Hemingway. Que Joseph Kessel va côtoyer à Barcelone en 1938, alors qu'il couvre la guerre d'Espagne. En dehors des grands reportages, Joseph Kessel couvre aussi les affaires criminelles pour le compte de Détective, une revue dirigée par un autre de ses frères, Georges. Et puis, la Seconde Guerre mondiale commence. À partir de septembre 1939, Joseph Kessel poursuit ses reportages pour couvrir la Seconde Guerre mondiale. Et par ses relations, il obtient l'autorisation de couvrir l'évacuation de Dunkerque, pour ce qui sera l'un de ses derniers papiers pour Paris Soir avant l'armistice. En fait, à la fin du mois de mai 1940, une partie des troupes alliées se sont retrouvées encerclées à Dunkerque, sans aucun échappatoire possible, à part en direction de la mer. C'est plus de 330 000 soldats qui sont évacués, grâce à la résistance acharnée de deux divisions françaises restées en arrière pour protéger l'évacuation. Eh ouais, merci les Français. Pendant ce temps-là, Joseph reste fidèle à la France. France dont il a pris la nationalité en 1922. Il était considéré comme apatride avant, c'est-à-dire une personne qui n'a aucune nationalité. Et donc, Joseph refuse la défaite et entre dans la résistance où il intègre le réseau CARTE. Il y est rejoint par son amante de l'époque, la chanteuse et actrice Germaine Sablon. Et son neveu, le fils non reconnu de Lazare, son frère, alors en service dans l'armée d'armistice, Maurice Druon. Maurice, suivant les traces de Joseph, sera aussi un grand romancier, surtout connu pour sa saga de romans historiques Les Rois Maudits. Écrite de 1955 à 1977 et popularisée par son adaptation à la télévision en 1972 et 2005, son intrigue se développe dans un contexte de rivalité pour la succession au trône de France de 1314 à 1356, sous les règnes de Philippe le Bel à Jean le Bon. Et cette rivalité débouche, vous l'avez compris, sur la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, et reprend la légende de la malédiction lancée par le dernier grand maître du temple, Jacques de Molay, en 1314. Une malédiction sur le bûcher à l'encontre du roi de France Philippe IV le Bel et ses descendants. Une saga qui inspira en partie George R.R. Martin pour sa série Game of Thrones. Ah ouais, Game of Thrones quand même. Ça veut dire que même vous, vous connaissez un peu Maurice Druon. Ensemble, Joseph et Maurice réussissent à se rendre à Londres, où ils rentrent au service de la France libre du général de Gaulle en février 1943. Joseph Kessel veut prendre part au combat comme aviateur, mais de Gaulle, qui a entendu parler de Joseph en tant qu'auteur, veut lui confier une autre tâche, écrire l'histoire de la résistance française. Joseph assiste donc aux divers rapports faits par les agents de liaison et recueille leurs témoignages, ce qui donne l'ouvrage L'Armée des Ombres, paru en 1943, et qui est popularisé par son adaptation au cinéma par Jean-Pierre Melville en 1969. Une adaptation que Joseph a lui-même rédigée. Bon, il va pas faire que ça, hein. En plus du témoignage sur la résistance, Joseph va aussi participer à la création de son hymne, le Chant des Partisans. Reprenant une ancienne chanson slave, la musique est composée à Londres en 1941 par la chanteuse russophone Anna Marley, qui était alors cantinière dans les forces françaises libres. Celle-ci y ajoute des paroles en russe et l'intitule « Guérilla Song ». Lors d'une interprétation à Londres chez un ancien ambassadeur russe, la chanson est repérée par Emmanuel d'Astier, qui perçoit l'intérêt et la puissance de cette chanson pour symboliser la résistance. Il sollicite Joseph Kessel et Maurice Druon pour écrire des paroles en français avec l'assistance d'Anna Marley. Elle témoigne. Louba, l'ambassadeur russe, traduit les paroles. Des papiers circulent entre les mains. Chacun donne son idée. Joseph me tendit un papier, le texte français des partisans. Je l'essayais, c'était beau, ça collait merveilleusement. Écrit au cours de la seule nuit du 30 mai 1943, le chant des partisans est enregistré dès le lendemain pour être intégré à un film en hommage à la résistance, dans lequel tourne Germaine Sablon, vous savez, la compagne de Joseph. Le texte est envoyé clandestinement en France et publié dans les cahiers de libération en septembre 1943.
L'air du chant servira de fond sonore à une émission de la France Libre sur la BBC pendant un an. Entre-temps, Joseph intègre les forces aériennes françaises libres et termine la guerre comme capitaine d'aviation. Après la guerre, Joseph reprend son rôle de grand reporter. Il couvre l'ensemble des événements majeurs de l'immédiat après-guerre. Il assiste ainsi au procès du maréchal Pétain à Paris, puis au procès de Nuremberg pour France Soir, le successeur de Paris Soir. France Soir, qui a été un journal aussi influent que Le Monde ou Le Figaro, et qui n'a rien à voir avec le site internet France Soir, qui a balancé pas mal de fake news, et où plus aucun journaliste ne travaille d'ailleurs. Et donc Joseph assiste à tous ces procès, et voit bien de quoi l'homme est capable dans l'horreur. Joseph est marqué notamment par les films sur les camps de concentration et d'extermination diffusés pendant le procès. Il décide de ne plus écrire ni de couvrir de guerre. Ça va pas être possible. En mai 1948, Pierre Lazareff, qui dirige le journal, convainc Joseph de faire un ultime reportage sur la création de l'État d'Israël. Et vous savez que cette création va mal se passer. Joseph arrive sur place le 14 mai 1948, jour de la déclaration d'indépendance, et Joseph devient ainsi la toute première personne au monde à obtenir le tout premier visa du nouvel État. Un papier qui l'autorise à se déplacer dans ce nouvel État. Mais vous connaissez la situation. Joseph, qui ne voulait plus se retrouver à couvrir des conflits, va se retrouver au cœur d'un des pires conflits qui dure encore aujourd'hui, et on le voit encore. Le jour même de la création d'Israël, le 14 mai 1948, aussitôt la guerre éclate entre les États arabes et Israël, et Joseph suit le conflit aux côtés de la toute nouvelle armée israélienne. Il en tire un roman, Terre de Feu. Après ce reportage traumatisant, tu m'étonnes, Joseph délaisse la presse pour se consacrer à son œuvre littéraire qu'il développe à partir des souvenirs à l'image de 4 volumes de Tour du Malheur, paru en 1950, et qui, en filigrane, raconte sa relation avec son frère Lazare jusqu'à son suicide à 21 ans, ainsi que sa vie pendant l'entre-deux-guerres. Joseph effectue aussi de nombreux voyages à travers le monde, nourrissant les récits de ses romans, dont l'une de ses œuvres les plus connues, Le Lion, en 1958. Le Lion s'inspire d'une histoire vraie recueillie par Joseph Kessel lors d'un voyage au Kenya et qui raconte l'amitié entre une fillette nommée Patricia et un lion appelé King, recueilli alors qu'il était lionceau et rendu depuis à la vie sauvage. Une relation au destin tragique, mais je ne veux pas vous en dire plus sans spoiler le livre. Le livre est un succès mondial et est adapté au cinéma par Hollywood en 1962. Revenu en France, Joseph Kessel rencontre le masseur-thérapeute finlandais Felix Kersten, qui lui livre un témoignage incroyable. C'est impossible de deviner qui ce mec a pu masser. En fait, Félix a été le masseur de Heinrich Himmler. Oh, c'était juste le chef des SS, hein, une organisation policière qui a eu la charge de l'extermination des Juifs d'Europe. Rien que ça. Et notre Félix, tout en massant Himmler, hein, toi, il le met bien, a usé de son influence sur le chef des SS et est parvenu à obtenir la libération de plus de 100 000 personnes des camps de concentration, dont 60 000 juifs. Mais attends, c'est vraiment possible ça? Alors, Joseph aussi est un peu perplexe, hein, parce que 100 000 personnes, juste en massant un type, c'est... Ouais quoi, voilà. Joseph est un peu perplexe face à ce récit invraisemblable. Il sollicite alors l'historien et ancien officier du Secret Intelligence Service, Hugh Trevor Roper, qui confirme le récit de Félix et apporte sa caution en préfaçant la biographie romancée que lui consacre Kessel en 1960, Les Mains du Miracle. Alors du coup, on a quand même nous aussi vérifié de notre côté. En 2021, l'historien François Kersaudy confirme de manière sûre le récit et les actions attribuées à Félix Kersten. Donc, bravo. Auteur prolifique, reconnu et de nombreuses fois primé, Joseph est élu à l'Académie française le 22 novembre 1962. Il y prononce son discours d'intronisation. Pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois, ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante. Pour le remplacer, qui avez-vous désigné? Un russe de naissance et juif de surcroît. Un juif d'Europe orientale. Vous avez marqué, par le contraste singulier de cette succession, que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui.
De la sorte, messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui à la fois obstiné et si belle de tous ceux qui, partout, tiennent leur regard fixé sur les lumières de la France. Joseph Kessel poursuit l'écriture de ses romans jusqu'en 1975, puisant toujours dans ses voyages, comme Les Cavaliers en 1967, après un long voyage à travers l'Afghanistan, livre qu'il considère comme l'un de ses plus aboutis. Mais voilà, Joseph a désormais plus de 80 ans, et il s'éteint d'une rupture d'anévrisme le 23 juillet 1979 à Avern. Il laisse derrière lui une œuvre littéraire immense, qui, par sa durée et sa diversité, est un véritable témoignage sur le XXe siècle, comme en rend compte la BD Joseph Kessel, l'Indomptable, que je vous invite à vous procurer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes plus de 94 000 à suivre la chaîne sur YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre aussi la page Kiss Kiss Bank Bank. Si chacun de vous donne 1 euro, c'est la fin de la galère pour la chaîne. Je vous explique tout sur la page Kiss Kiss. Si ce n'est pas possible pour vous, chaque pouce en l'air ou chaque commentaire aide beaucoup à mettre cette vidéo en avant. Donc, je compte sur vous. Alors, grâce aux éditions Stan Kiss, je vous donne l'opportunité de gagner 2 BD sur Joseph Kessel. Et pour participer, rien de plus simple, il suffit d'écrire en commentaire « Baptiste, tu m'offres cette BD s'il te plaît ?» Et vous serez automatiquement inscrit pour le tirage au sort qui aura lieu 2 semaines après la sortie de la vidéo. Je répondrai directement aux gagnants sous leurs commentaires, donc n'hésitez pas à revenir vérifier de temps en temps le vôtre. Donc merci aux éditions Stan Kiss d'avoir proposé ce sujet super intéressant. Vous trouverez un lien pour vous procurer la BD en description. Les amis, merci à tous pour votre présence qui me permet de continuer après bientôt 10 ans sur cette plateforme. Je suis un dinosaure sur YouTube. J'avais commencé, j'avais 27 ans. J'en ai 37. C'est ouf. Je suis vraiment très heureux d'avoir une si longue longévité sur YouTube. Et ça, c'est parce que vous êtes là. Ouais, je sais pas comment l'exprimer, mais... Bon, de toute façon, il y aura assez peu de monde qui verront ce message, mais c'est... Bah, merci de me permettre de vivre tout ça. C'est parce que vous êtes là. Merci à tous pour votre présence. Les amis, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.